Groupama Garancia Biztosító néven új, jelentős szereplő jött létre a magyarországi biztosítási piacon. A társaság a francia tulajdonú Groupama Biztosító és az OTP Garancia Egyesülésével alakult meg 2009. április 1-én. Les avantages de la fusion sont d'abord de rassembler toutes nos forces, c'est-à-dire nos capitaux, nos équipes, nos compétences et nos savoir-faire dans une seule entreprise. Et naturellement nos réseaux de distribution qui sont déjà importants. Bár a fúzió jelentős szerkezeti változásokkal járt, úgy készítették elő, hogy az ügyfelek ebből semmit se érezzenek. Ennek érdekében például az éveleje óta már közös ügyfélszolgálaton dolgoznak az OTP Garancia Biztosító és a Groupama munkatársai. Alors, nous avons prévu de renforcer les effectifs qui sont sur le terrain, c'est-à-dire qui sont en contact avec la clientèle puisque nous voulons recruter pratiquement 700 agents performants en Hongrie d'ici la fin de l'année. A sikeres fúzió, illetve az üzlethálózat és a működési funkciók hatékonyságának megerősítése után a Groupama Garancia Biztosító új termékkínálattal lép piacra már 2009 második félévében. Je pense qu'en période de crise, nous avons à nous adapter aux demandes des clients et il faut certainement que l'on mette à la disposition de nos clients des garanties de type chômage dans nos contrats, par exemple emprunteur, et puis aussi que nous mettions sur le marché des produits d'épargne, peut-être dont le capital est plus protégé, car les clients dans ces périodes ont besoin de sécurité. Az 1900-ban francia mezőgazdászok által létrehozott Groupama Biztosító ma már a nemzetközi piac egyik meghatározó szereplője 16 millió ügyfelével és 38 ezer alkalmazottjával. A vállalat számára a közép- és kelet-európai régió stratégiailag fontos terület. Jelenleg 4 országban, Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Bulgáriában van jelen. Emellett az OTP bankkal köttetett megállapodása értelmében a társaság közép-hosszú távon azokban az országokban is elindítja biztosítási szolgáltatását, amelyekben a pénzintézet működik. Így hamarosan Oroszországban, Ukrajnában, valamint Horvátországban, Szerbiában és Montenegróban is elérhetőek lesznek ügyfeleik számára. Komoly növekedési potenciállal bíró régió. Tehát itt, hogyha megvizsgálják a biztosítási iparra jellemző számadatokat, akkor gyakorlatilag minden elemző azt a következtetés vonja le, hogy itt komoly növekedés várható. Or, lorsque nous observons la situation dans les pays d'Europe centrale et orientale, nous voyons bien que l'assurance y est moins développée qu'en France, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne. Donc il y aura inévitablement un phénomène de rattrapage qui va se traduire par des progressions d'activité beaucoup plus rapides. Donc nos plans sur le marché à moyen terme consistent à être l'un des trois premiers assureurs hongrois, et cela d'ici 5 ans. Et bien sûr, nous voulons le faire en restant un assureur généraliste, c'est-à-dire à la fois professionnel et compétent en assurance de dommages, non-vie et en assurance vie. On m'a posé la question à plusieurs reprises cet après-midi de savoir si la crise économique avait changé la stratégie et la vision de Groupama. Et ce que j'ai expliqué, c'est que l'investissement de Groupama dans la région, comme tous les investissements que fait Groupama, est un investissement qui se conçoit dans la durée. C'est un investissement pour le long terme. Donc la crise, elle est là, c'est sûr, mais pour nous, elle ne change pas la vision que nous avons de ces marchés dans le moyen et dans le long terme. Et donc cet investissement, il est toujours aussi justifié. Et nous avons une réelle confiance dans le développement de nos entreprises à moyen et à long terme. Simplement dire que je suis très confiant dans la capacité de la nouvelle société à satisfaire demain un grand nombre de clients hongrois et à en conquérir de nouveaux.